de la famille dans le monde entier. Africa, réveillons-nous, le sida est là, éduquons nos enfants. Regardons les rues de nos cités, voyons ce que font nos enfants. Ils vont passer par là, cheveux tressés, slip de oreilles percées, cigarette à la bouche, le dos nu, les seins dehors, les cuisses exposées. Sont à l'origine de tout ça. Parents, prenons nos responsabilités en main, éduquons nos enfants. La femme africaine, mère de l'humanité, aimez-la, chérissez-la, donnez-lui la place qu'elle mérite. Dans la société, elle a besoin de tout ça pour s'épanouir, être plus obéissante et vous entourer d'amour. De la femme et de la famille. Que le Seigneur guide tes pas, te donne la sagesse et l'intelligence, afin que dans ton pouvoir, tu déracines ce fléau qui mine notre continent et surtout notre cher et beau pays, le Cameroun. Seigneur, Reine Mère MJ, où vont-ils nos enfants? Où vont-ils notre trésor? Où vont-ils nos enfants? Où vont-ils? Où sommes nos parents? Où vont-ils nos enfants? Où vont-ils notre trésor? Où vont-ils nos enfants? Où vont-ils? Où sommes nos parents? Arrêtons le massacre qui a organisé la désobéissance. La délinquance juvénile, le manque d'éducation sont à l'origine de tout ça. Parents, prenons nos responsabilités en main. Éduquons nos enfants. Un enfant éduqué vaut 10 non éduqués. Fais la joie de toute la famille et la richesse d'un continent. Enfants africains, vous êtes le fer de lance du continent. Ayez des comportements responsables. Suivez les conseils des parents. C'est important pour votre avenir, car c'est vous l'Afrique de demain. Enfants du Cameroun, enfants africains, tous sur la piste.